Il est né à peu près au même temps que Al Jazeera a été créé. Le Qatar mise sur le sport parce qu'il sait que c'est un vecteur de reconnaissance, de visibilité et un vecteur populaire, un vecteur pacifique qui donne une image positive d'un pays et qui est un élément de valorisation de l'image d'un pays dans le monde entier. C'est donc pour cela que le Qatar investit dans différents sports et également dans l'organisation de compétitions sportives mondialisées, dont bien sûr la Coupe du Monde de football qu'il va héberger en 2022. Le Qatar pense que s'il investit dans le sport, il sera visible. Et plus il sera visible sur la carte, plus sa sécurité à long terme sera assurée.